Après à peine 10 minutes de pêche, je prends le premier brochet au niveau de la pile de pont et je vous ai évité la bordée d'injures qui suivra la mise à sec du brochet quand le poisson nageur va s'accrocher dans ma manche. Juste après, on prendra un beau chevesne. Alors il va me planter le mât. Je préfère qu'il se décroche de lui-même. Il est bon celui-là. Il a pratiquement pas tiré. C'est là qu'il va s'épicer. Bon, pas mal de gros chênes, j'aime pas cette année. Ah, ça nuit. C'est marrant parce qu'il mordait pas du tout cette année sur le cher. Bon, je mesure pas, mais il est pas vilain. Il a fait plusieurs tapes. Les gars! Ouais! Il y a un arbre là-bas. Oh putain, il sait bien. Ce qu'on pourrait prendre aussi, c'est des aspes. Oui. Ma belle, on y va. On est reparti. Wow. Bon, magnifique. Oh, bon, bah, moi, ouais, ma caméra, super. Soit j'ai plus de batterie. Une vraie libellule. T'as qu'à me l'amener là, laisse-le dériver vers moi si tu peux. Alors là. Bon, on est conscient qu'on voit pas grand chose sur la vidéo. Un castor sous l'eau, c'est pas facile à filmer. On en verra un deuxième cette fois-ci en surface. Et donc on peut vraiment dire que le castor a bien réinvesti les rivières de la région centre, puisqu'on en a vu sur le Cher, la Loire, l'Allier, l'Anglin, ça, et donc maintenant la Vienne. Bon alors, on dit quoi là? Ah ben, on va regarder le poisson. On va regarder le poisson, oui. Alors, est-ce qu'on le voit? Un petit silure de 80? Quelques kilos? Ah, c'est bon, et ça... C'est trop long à sortir? Ça a été à sortir, pas trop long? Non, c'était rapide. Si vous avez besoin de quelqu'un pour une épuisette, aujourd'hui, vous m'appelez. Donc la caméra marche, j'ai fait un petit film, il n'y a pas de problème. Ah, t'as fait un petit film en plus? Oh, ça a été 20 secondes. Attends, là. Bon, bah alors j'ai pas besoin de dire mettre moi. J'économise, m'économise. Attends, je vais. Attends, alors monte. Ah non, il est beau, dis donc. Attends, comment on, je vais dire, j'ai donné la taille moi. Il fait presque un mètre, non? Je sais pas, moi, de ce que je vois, il fait un mètre. Elle est grosse celle-là. Oh, quelle rivière, putain, c'est incroyable. J'ai jamais vu une rivière comme ça. Elle tire. Hein. Amène-la-moi, parce qu'elle est encore prise à l'extérieur. Amène-la-moi d'autorité. Ah, superbe. Oh, oh. Je suis content. De suite. Là, on l'a un peu saboté. Mais oh, non, je pense qu'on est tous les deux, parce que... Je pense que je l'ai filmé, en plus, la prise. C'était sympathique. Ah, elle est énorme, celle-là aussi, elle fait 40, elle fait plus de... elle fait 40. Hein. Elle fait au moins 40, au moins. Et elle reprend les déchets. Ah oui, j'ai réussi. Non, rien, c'est... T'es sûr d'avoir éteint ta caméra, là? Comment? T'as éteint ta caméra? Là, on a rien prévu, hein, pour ouais. 34 de... Ah si, je l'ai arrêté. J'ai vérifié. Ça va? Et après, on va reprendre là-bas. Alors, on gîte bien du bon côté, hein, par là. Légère gîte pour tourner tranquillement. Voilà.
Oh, ça passait, je pense pas que ça passait là-bas, si. Pourtant, il y a de l'eau qui arrive, hein, mais. Curieux, je comprends pas pourquoi. On voit beaucoup d'eau arriver, mais. Pas très académique. Peut-être se décrocher. Oh la vache. Il est plus gros que ce qu'on a pris celui-là. Ouais, c'est ce qui me semblait. Vas-y, tu me le montres une fois là, que je filme pas trop longtemps. J'ai filmé la prise. Ouais. Ah ouais, très beau comme ça. Magnifique. Est-ce que ça clignote ? Oui, ça marche. Vas-y, montes-tu un peu l'épine dorsale là. Ah là, je la vois plus là par contre. Attends, tourne un peu quand même. Ouais, c'est très bien. Magnifique. Ouais. Je ne sais pas combien elle mesure. Tu veux la mesurer? Tu as ton mètre? Ouais, je te laisse faire alors. Bah, tu la gardes alors? Ouais. Je te la laisse. Ah non, moi j'étais sur le chevet là, à fond là. Je voyais que ça mordait de tous les côtés. Je vais voir là. Ah oui, donc, il n'y a même pas eu de rosée du tout. Oui. Incroyable. Ouais, il était protégé par les arbres. C'est bon là, on attaque. Bon, tu le dis. Oh ouais, bah, tu veux que je sorte d'épuisette? Tu penses qu'il est fatigué? Moi, c'est à toi de me dire. Hein. Ah bon, bah alors je mets l'épuisette dans l'eau, tu me diras. Faut que je le mette bien en dessous parce qu'il est. Mais et là, il a pas assez. Il a pas du tout. Je pense pas qu'il soit prêt. Hein. Fais gaffe. Il faut prendre son temps. Hein. Faut pas qu'on se. Moi, je mettrai pas l'épuisette encore. Hein. Il m'a l'air bien chaud encore, le pépère. C'est ton premier silure, mais au moins tu l'auras peut-être en vidéo. Fais gaffe, moi j'aime pas ça quand il tape sur du nylon, s'il te fout la queue sur le. Il est plus gros que l'autre. Hein. Peut-être 1 mètre celui-là. Heureusement qu'il est pas trop gros. Tu me diras. Hein. Tu peux le pomper ou pas? Il monte. Mais il redescend tout de suite, il n'a pas dégazé du tout. Bon, j'essaye, si tu peux me l'amener. Oula, 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 il va dedans ce con. Il est collaboratif.
Combien il fait? Je sais pas trop. Bon bah, bravo! Bah, merci. Ça, oui, 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 je tire le canoë. Là, on a devant nous un morceau de saule qui a été taillé par un castor. Et là-bas, là, je sais pas si on voit, mais on voit des arbres taillés en biseau là-bas. On voit des arbres taillés en biseau par des castors aussi. Là, il y a aussi plusieurs. Je pense qu'ils ont peut-être une hutte par là. Et le cygne qui remonte le courant là, dis donc, le pauvre, il doit en baver, hein. À mon avis, faut pas être simple, il est en plein courant. Ouhou, il fait sa gymnastique lui. On voit les castors là qui ont taillé les arbres, je sais pas si tu vois, tu les vois. Il y a un cygne là-bas. Oh, le cygne, il est en plein dans le courant et il a la peine là. Un bac, ouais. Laisse pas aller se mettre à la verticale, voilà. Il est pas très gros. Il fait la taille celui-là par contre. Il fait presque 60. Ah, peut-être pas. Je te laisse faire. Et il est décroché, tiens. Voilà, je vais finir. Attends. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je vais le garder. Je le garde pour. Parce que je vais pas souvent à la pêche. D'accord. Je te laisse le mesurer. Oh non, des fois non, il fait la taille, ça, il peut pas ne pas faire la taille. Je pensais qu'il était un peu plus gros que ça au départ. Bon alors voilà le petit brochet que Valérie nous a sorti sur la Vienne. On l'a pas encore mesuré, mais on va s'en occuper. Hein? Je crois qu'il va finir le séjour en beauté. Voilà. Très cool, bravo.